Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e épisode de notre challenge Footims. Je rappelle vite fait les règles. Nous devons avoir 11 garçons pour créer une équipe de foot de rêve. Le dernier épisode, nous avions un besoin urgent de déménager. Donc, nous voici dans une petite maisonnette toute sympa. Ce n'est pas moi qui l'ai créée, c'était une maisonnette de base. Et nous sommes dans la ville de Windenburg, sous la neige, mes chers naufragés d'Internet. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. Donc, évidemment, la maison n'est pas terminée, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pu un rond et on a gardé notre frigo. J'ai changé la cuisinière qui était vieille comme le monde. J'ai gardé la télé, le fauteuil, quelques tapis et quelques tableaux. J'ai gardé l'ordinateur. Donc, nous avons ici les petites photos. Ici, nous avons la chambre des enfants et je viens de voir qu'il me manque un lit. Bravo à toi, Alivi Production, t'es stupidasse. T'as 4 enfants, là, t'en as pas 3. Et voici la chambre des bambinos pour l'instant. Ici, nous avons 2 salles de bain, l'une à côté de l'autre. Oui, c'est pas très réaliste, hein, je suis d'accord avec vous. Mais il fallait absolument une deuxième salle de bain parce qu'on est quand même 8 dans le foyer. Et une salle de bain, c'était l'enfer. Et voici la chambre des parents avec notamment les meubles. Je n'ai pas changé les meubles. Indésirable, je sais qu'elle est indésirable, mais... Elle mérite quand même un lit, il faut peut-être pas exagérer non plus. Fonds insuffisant, je n'ai pas assez pour lui acheter un lit. Donc je suis obligée de lui acheter le lit le plus moche et de la foutre dehors. Non, quand même pas. Non mais je suis quand même bête, hein. J'ai même pas calculé le nombre de lits que j'avais besoin. Bah je suis obligée de le mettre là. Hein. J'ai pas le choix parce que sinon on peut pas ouvrir la porte. Puis franchement les coloris là ça me plaît pas. Hein. Ok, on est parti mes chers naufragés d'Internet. Oh c'est le réveillon du jour de l'an. Allez, fêtons le jour de l'an, mes chers naufragés d'Internet. On jette des confettis sur sa sœur. Vas-y, on chante. Bon, comment vont les petits? Alors lui, il dort. Oh, il s'est endormi sur le cheval à bascule, le pauvre. Le pauvre petit bou. Oh, elle chante plutôt bien, Désirable. On va peut-être pouvoir faire quelque chose avec elle. Oh là là, au secours, Luana. This is the casserole. Ta-la-la-la. Oh non, la petite crevette. La crevette morte. Mais debout, mon petit gars. Je t'ai demandé d'aller te coucher. Allez, on prend tous une résolution. Vous savez, les résolutions qu'on prend, mais qu'on ne réalise jamais. Allez, Ronaldo. Dédicace à mon frère, qui fait si toute la journée. Non, je veux pas manger. Voilà, ça, c'est le vrai Ronaldo, là, qui pique des crises dans les fesses de sa sœur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Pelleter la neige? Mais pourquoi faire, frérot? Mais qu'est-ce qu'il fait à pelleter la neige à l'autre bout de la map? Non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est sérieux? Tu pelletes la neige à 270 000 km de ta maison. Il paraît que les t-shirts du festival sont géniaux. Ok, je vais avec mon frangin au festival. C'est parti. Ne me dis pas qu'on est au festival de l'amour. Mais frérot, pourquoi tu m'invites au festival de l'amour? C'est super creepy. Écoutez, on va amener Eladio. Voilà, et on va amener les enfants aussi. Toi aussi, tu fais n'importe quoi? Vous faites la manche, indésirable? Oh, indésirable qui commençait à faire la manche. Je vais l'enlever quand même. C'est le setup que j'avais fait pour mon premier let's play narratif. Sœur contre tout, si ça vous intéresse. Je vais enlever tout ça parce que ça fait des lustres que c'est dans mon jeu. Par contre, Léo, là, tu me déçois beaucoup. Hein. Éducation. Discipliner le comportement récent. Punir, mettre au coin pour avoir mis le bazar. C'est ça être au coin? Bah, il s'assoit par terre juste. Mais au lieu de me dire au secours, j'ai envie d'aller aux toilettes. Vas-y. Oh, il y a un couple trop mimi. Bon, par contre, madame, elle a la tête dans ses cheveux, mais c'est mignon. Douanetala, j'espère que c'est ta femme ou moi. Ah oui. Vous êtes un petit peu bleu, monsieur. Ah, c'est normal, vous êtes un extraterrestre. J'ai cru que vous étiez en train de crever, alors c'est pour ça. J'étais inquiet pour vous. Regardez, mon cher Eladio qui scintille. Et il peut pas nous donner la bénédiction suprême? Poser une question sur la relation actuelle, juste à côté de mon mari. Une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est vrai. Oh, salut Lilith! Oh bah dis donc Lilith, t'as bu un peu trop d'alcool là. Lilith, elle est au fin fond du gouffre là. Eh,
Ne sois pas bourré devant mon fils, hein. Dégage Lilith. Être jaloux? Elle a dragué le gourou de l'amour? J'ai pas vu qu'elle avait dragué le gourou de l'amour devant toi. Elle est tellement saoule qu'elle est tombée dans les bras de Johnny. Bon, c'est pas que, mais on devrait y aller, là, les amigos, là. Ouh là 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 là, y a un petit problème, là. Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs dames? Ils sont allés dans le décor. Est-ce qu'ils vont sortir par ici? Oui! Et là, ils ont disparu. Disparu! Et regardez, ils ont mis une traînée juste derrière eux. Tout le monde rentre. Allez, vamos. Tu vas pouvoir regarder le décompte jusqu'à minuit avec toute la famille, il y a. C'est ça le décompte de minuit, c'est des chiens qui hurlent à la lune. Par contre, indésirable, tu vois rien à part le boule de ton père. Hein. Chouchoui! Chouchoui! C'est tellement nul. Et Luana, elle en a rien à foutre, elle est sur son tel. 5, 4, 3, 2, 1, feu d'artifice! Bonne année, bonne santé! Et n'oubliez pas de vous laver! Ok, Luana, au lieu de fixer le néant, tu veux bien déjà manger ça et ensuite faire la vaisselle? Mais chez un naufrage d'internet, finalement, comme j'ai que deux bambinos, j'ai foutu un désirable ici et j'ai remis mes petites affaires. Par contre, je sais pas comment ils font pour dormir avec l'autre débile qui fait du xylophone. Vous avez pas intérêt à lever vos parents. Non, y a pas de monstre. Le monstre, il est parti en vacances. Mais ils se sont passés le mot ou quoi? Vous pouvez pas voir le même monstre imaginaire, c'est pas possible. Nous sommes au printemps, mes chers naufragés d'internet. Platoche, il a trop peur de vous redormir, mais oui, forcément. Maudit monstre des enfers. Oh, il va nettoyer le bordel. T'es trop mignon. Merci, Toti. C'est mon préféré. Luana qui prend son café du matin. Luana, c'est tout à fait le genre de personne à dire « Oh, je peux rien faire sans mon café !» En plus, elle s'habille jamais, cette stupidasse. Habille-toi, là, tu me fais honte. Bon, vous me direz, c'est dimanche et il est 8h30, vous avez le droit de rester en pyjama le dimanche à 8h30. Qu'est-ce qui lui arrive? Couche malodorante, dents qui bougent, doit faire pipi et mal de dos. Lit de mauvaise qualité. Non mais tu rigoles ou... T'as vu là, le lit comme il est génial? Tu m'étonnes que t'es indésirable. Ils ont tous le même lit mais y'a que toi qui te plains. On m'appelle. Hé, la Diouf, Ayaka Tomoka m'a proposé un rencard. Mais fonce, moi je m'en fiche. De toute façon la vie est courte et puis toi t'es vieille comme un pot. Profite de la vie avant de crever. Oh, je suis horrible. Puis on va faire du camping, ça va nous faire du bien. Je vais pas amener les bambinos, hein, mes chers naufragés d'internet. Mais, présentation amusante? Oh là! Bienvenue dans le quartier! Mais ça fait des jours que je suis là. Oh non, c'est les Harris, je les déteste. Ah, mais c'est Morgane! Oh, c'est une Harris maintenant! Quelle honte! Draguer en étant chaud comme la braise, on va peut-être se calmer. Et Platoche, là, regarde pas les morts vivants, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a le droit au cake dégueulasse. Merci pour le cake dégueulasse. Indésirable, tu veux bien me faire la vaisselle? Je vais t'appeler Cendrillon Souillon. On a un pauvre comité d'accueil éclaté au sol. Ok, merci. On se casse avec les enfants. T'as de la chance, indésirable, que je te laisse pas à la baraque. On va prendre le plus gros chalet, bien sûr. Ah, mais attendez, mais j'ai pas de sous. Ah si, là, j'ai des sous. J'ai plus de sous. Et moi, je vais au camping pour 700 balles. C'est tellement réaliste. Ok, bienvenue au camping, tout le monde. Ça sert à quoi d'avoir un cabanon, autant avoir une tente? Oh, regardez un petit feu de camp en famille. Non mais regardez, avec ses quatre enfants. Ça va, Luana? Ah, et elle va écouter l'histoire. Oui, vas-y, ajoute une bûche. Et puis, t'as qu'à aller pêcher. Ajoutez une bûche. Ajoute une bûche, amigo. Bah bravo, il a laissé tomber son truc. Hein? Ton fils est en feu! Quoi? Non, 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 non. Coco, doucement, doucement. Doucement, doucement. Arrête de crier au feu. Éteindre. Éteindre ton fils. Oh, misère. Non, 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 non. Non, mon Platoche. Non, mon Platoche. T'inquiète pas, mon Platoche. On est là. On est là. Éteins ton fils, s'il te plaît. Vite, le ranger. Aide-moi. Aide-moi. Au secours. Aide-moi. Ça va, mon Platoche? Mon Platoche. Platoche, cours. Platoche. Ah, oh, Platoche est en vie. Tu m'as fait la peur de ma vie. T'as lancé la bûche sur ton fils. Bon, pour l'instant, les vacances, c'est une catastrophe.
Platoche a failli crever. Regardez Granite Falls, c'est tout mignon. Oh non, encore un incendie. Qui brûle cette fois? Indésirable, c'est indésirable maintenant. Allez, allez, on se calme, on se calme. On éteint ta fille. Allez, on se calme, on se calme. T'inquiète pas, Indé, j'arrive. J'arrive, Indé, j'arrive. Vraiment, éteins-moi ça, là, s'il te plaît, là. C'est une catastrophe. Adore la nature si tu veux. Indésirable, va prendre ta douche. Non mais on a failli perdre 2 enfants quand même, sur 4. Quel score catastrophique. Et les enfants, au secours! Je déteste ce camping, on va tous crever. Mais regardez comment il va mal ce fiston là. Il est au bord de la rupture. Écoutez, il n'y a pas grand chose à explorer. Hein. Je suis assez déçue. Ça fait 1 million d'années que j'ai pas été à Granite Falls et je pensais qu'il y avait plus de trucs à faire. À part faire brûler nos gosses sur des feux de camp, il n'y a rien à faire. Oh mais oui! On a plein de choses à vendre. Certificat de naissance, peut-être pas. Ah mais on se fait un max de thunas, mes chiens de naufrage d'internet. Être reconnu pour son travail. Non mais redescends un petit peu. Hein. Ah non, il se cache sous les couvertures. Mais il n'y a pas de monstre ici, amigo. Oh là là, lui va mal. Mais au lieu de contempler la vie, va bouffer. Qu'est-ce qu'il fait? Et elle est où la pizza? Il va crever ce petit bout de chou. Ça va aller, Toti, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Ok, est-ce que t'es fort en fer à cheval, ma belle? Ouais, mais on n'a pas vu ton saut, là. Ah, voilà. Ouf, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Arrête d'avoir les fesses contre terre et va aux toilettes, s'il te plaît. Il est où, le pizzaiolo? Vous êtes pas le pizzaiolo, vous? Non, t'arrêtes de jouer et puis tu vas me faire le ménage. Allez, Cendrillon Souillon, fais le ménage. Comment je suis horrible avec elle. Toi, va te coucher. Mais arrête de contempler les tableaux. Ah, si vous voulez attendre votre pourboire, vous en aurez pas. Hein. Ah, elle a été attaquée par des mouches tueuses. Harcelée aux toilettes, des insectes volent partout dans les toilettes. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Oh, du maïs. Trop cool. J'adore faire griller du maïs. Mais j'aime moins griller. Griller mes enfants. Indésirable, on n'est pas à la montagne là, tu t'es trompée. On est dans la forêt. Pourquoi est-ce qu'elle est habillée avec des gants de ski? Non mais dire que j'ai failli tuer mes 2 enfants quand même. Indésirable, tu n'as pas de lit. Tu es comme ta maman. Bon, arrête de te faire piquer par toutes les créatures qui existent. Salut Kalama. Mais tu ressembles pas à ça d'habitude, si? Donner un coup de hanche. On se connaît à peine, mais est-ce que tu veux prendre un coup de hanche? Oh, il y a une petite fille là qui est en désespoir total. Oh, Elsa. Let it go. Let it go. I don't want to hear anymore. Non mais elle rigole avec nous comme si c'était notre bestie. Mais on la connaît même pas. Si t'allais nous faire un petit footing. En plus t'as froid, c'est parfait ça. Dû à des changements du nombre de Sims dans ce foyer, la grossesse générée par Louise Merci n'est plus valide. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de Louise machin là? Ah oui, c'est vachement un footing ça. La meuf elle regarde son téléphone au calme. Les amis, on va mettre fin aux vacances. Voilà, à 1h45 du matin. Arrête de tout détruire et va bouffer. Mais je t'ai demandé de prendre ta douche, elle comprend rien celle-là. Lui, il est au bout de sa vie, le pauvre. Mais Platoche, qu'est-ce que tu fais des pompes? T'as qu'à faire la vaisselle tant qu'on y est. Oh, mais comme tu es bien maquillé, Brunori, tu es très beau, mon ami, tu es très beau. Ronaldo qui s'est pas visé. Il s'est pas visé le pot, il est comme son prédécesseur qui s'est pas visé les buts. Oh, écoutez, je suis fan de Messi, je suis obligée de clasher Ronaldo, j'ai pas le choix. Si j'ai pas clashé Ronaldo 2 fois par jour, là, je me sens mal, vous voyez. C'est épidermique. Non, je plaisante, évidemment que c'est une légende absolue. Non, mais regardez la colonie de vacances, là. On dirait qu'on est dans un aéroport. Il y a un flux constant de personnes qui marchent. C'est un truc de malade. Il y a des gens partout, tout le temps. Et il travaille dans 2 jours, donc on va pouvoir bien augmenter ses compétences pour qu'il ait une promotion bientôt. Ça va nous faire un petit peu de moula, ça va nous faire plaisir. Voilà, tout le monde part à l'école, mes chers naufragés d'internet. Et nous avons notre fée du logis, Luana, à la rescousse. Mais comment est-ce que tu fais pour bouffer devant un plat sale? Explique-moi. On nous appelle Eladio. Comme un fou, comme un soldat, nous avons trouvé une lettre d'amour d'Indésirable à son instituteur dans son bureau.
eh ben, jeter la lettre et jeter un désirable avec à la poubelle. Rien d'osser, rien d'oser. Mais nous avons pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Elle va avoir de gros ennuis, c'est inapproprié, nous en discuterons, ne punissez pas l'amour. C'est inapproprié, mais on va pas l'engueuler non plus. Encore un problème, triste déjeuner, un autre enfant menacé platiné lui a pris l'argent de son déjeuner. Mais défoncez-le, il est en train de pleurer chez le directeur. Trouvez l'enfant responsable ou je le ferai. Bien sûr, moi je vais le défoncer, moi. On n'attaque pas Platoche, il n'y a que moi qui ai le droit d'attaquer Platoche. C'est moi qui défonce mes enfants et personne d'autre. Mes chers naufragés d'Internet, c'est ici qu'on va se quitter avec le facteur qui va nous amener des tonnes de factures, voilà, 1068, et on n'a même pas l'argent. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve lundi pour FIFA 23 d'ici là. Prenez soin de vous surtout. C'était Alivi pour vous servir.